Bon, yo tout le monde, si vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On est avec qui? Yagami la plante. Yagami la plante, les gars. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. T'as combien d'abonnés actuellement? Bah, j'ai 100 abonnés. Hein. Et d'ici la fin de l'été, tu penses que tu auras combien? Bah, j'espère monter à 1000 grâce à toi, tu vois. 1000? Mais tout à l'heure, t'avais dit 150. Bah, 150 ou 200, tu vois. Non, mais non, non, mais toi, plus, les gars, plus, les gars. Ferrari! Si! Donc, les gars, là, on est actuellement à Lamborghini. Mais il y a des Ferrari aussi. Donc là, on est venu faire une vidéo, amenez-le à 400, 500, 600 abonnés. Les gars, je sais que c'est possible. Allez vous abonner à sa chaîne. Je veux que ces abonnés montent là. Allez vous abonner à sa chaîne, ok? Donnez-lui la force. Quand quelqu'un travaille dur comme ça, moi j'aime voir ça parce que ça montre que la personne, tu vois, il a la dalle, tu vois, il a faim. Donc allez vous abonner à sa chaîne, donnez-lui la force, ok? Allez-y. Les gars, on va rentrer dans Lambo. Lambo, Lambo. Le Lamborghini, sans plus tarder. Qui aimerait avoir une Lamborghini, une voiture de rêve, en baisser le temps parce qu'on n'est pas chez nous. Elle est chère. Excusez-moi, madame. J'ai une question. À quelle fréquence des gens achètent des Lamborghini? Parce que c'est régulier. Il y a vraiment des gens qui viennent ici puis achètent des Lambos. Damn. Puis est-ce qu'ils font un financement ou bien ils achètent full, selon vous? Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui achètent des Lambos puis ils viennent et disent « Oh, je ne peux plus la payer, je la dépose » ou... Ça, il faut vraiment demander au vendeur parce que okay. Ce n'est pas vraiment mon département. Ok, mais c'est régulier d'acheter des Lamborghini. Oui, il y a quand même du monde qui achète. Shit! Qu'est-ce que vous en avez? C'est sûrement, c'est pas aussi régulier que Honda, Toyota, tu sais, les véhicules comme ça, mais c'est quand même. Ok. Quand même. Vous avez déjà roulé une Lamborghini? Non, non. Non? Ah, vous avez peur? J'ai pas peur, j'ai trop peur. En plus, avec le prix, si ça arrive quelque chose, tu sais, je peux pas payer. Hein. Okay. Oh, ça c'est ma préférée, beau. Ça c'est mon bébé, beau. Ça c'est une Urus. Ça c'est à moi. Damn, beau, Black Matte. Yo. Yo, c'est fucking beau ça. Regarde cette couleur là. Yo, Black Matte, les gars, what the fuck, yo. Yo, jamais j'ai passé une meuf avant cette voiture-là, bro. Si j'ai cette voiture-là, bro, elle avant la meuf. Elle avant la meuf. What? Putain de merde, regarde, la couleur est tellement sexy. Comme, les gars, le noir est juste beau. Yo, ça ou une meuf? Ça, frère. Ça, frère. Ça. Ça ou une meuf, les gars, il n'y a pas de débat parce que les meufs, ça va te quitter. Elle, SK, tu vas la réparer. De toute façon, tu as travaillé dur pour l'avoir, donc tu l'as mérité. C'est ça, bro. Yo. Non, I love you. Lambo, je parle avec toi, bro. Lambo, attends. Comme. C'est quand tu vas venir dans ma vie, là. Je t'attends, là. Ça fait maintenant quelques années que je t'attends, là. Et puis, tu vois, je pense beaucoup à toi. Pour de vrai, dans ma chambre, j'ai une photo de toi. Je parle souvent de toi et ma famille. Je compte t'amener en date quand je vais t'avoir et tout. Quand tu arrives dans ma vie là, parce qu'on t'attend là. Même la communauté t'attend, tout le monde t'attend. Comme yo, juste viens, on va tous rentrer dans toi et tout. Pause, on va tous rentrer dans toi. Mais bref, comme yo, si je t'aime, comme les vrais abonnés fidèles pourront rentrer s'ils veulent, tu vois, s'ils ont besoin d'un lift. Ils vont dans la rue, yo, Julien, tu me déposes, ouais, je pourrais peut-être les déposer. S'ils m'ont pas l'air louche, tu vois, des trucs comme ça. Juste, viens dans ma vie, bro, Lambo. Putain de merde, la texture aussi, c'est quoi ça? Je pourrais dire lisse. Hein. Lisse. Au contraire, c'est une texture comme pas normale. Ouais, je ne veux pas dire normal, mais genre, c'est pas commun. C'est genre, c'est trop clean. Ouais, c'est trop commun. C'est pas commun. C'est vrai. C'est carbone, je sais pas, mais. Waouh, tu que la roue aussi, bro. Yo, tu que l'arrière. Putain, merde. Waouh. Dommage qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Celle-là, bon, on t'aime pas toi, on t'aime pas toi. Moi, je suis là pour Urus. Bye, 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 bye. Yo, ça va, Urus, bon? Yo, je t'aime. For real, Urus, on t'attend, là, on t'attend. C'est quand tu viens? Hein? C'est quand tu viens, tout le monde t'attend, là. Je vais passer 24 heures dans toi, si tu veux. Quoi. Je vais dormir dans toi pendant 3 jours, si tu veux. Mais genre, on t'attend, là. Comme tu peux baisser ton prix? Je t'attends, Lambo. On t'attend tous. On est tous excités à te voir, là. Je suis vraiment excité. Comme si j'étais, bro. Je pense qu'il n'y a aucune meuf qui rentre dedans aussi. Il n'y a aucune meuf qui rentre dedans. Il n'y a aucune meuf qui met un pied dans la voiture. Comme personne ne va te salir.
Parce qu'on va te salir. J'en ai marre de toujours te voir sur Internet, de toujours te voir à bord de d'autres personnes. Je vois plein de gens qui te conduisent, je vois plein de gens qui sont comme ça. Oh, j'ai Lamborghini russe et tout. Comme ça me fait chier là, tu vois. Moi, je suis là pour toi et toi, tu n'es pas là pour moi. J'attends, Lambo. Come in my life. Viens dans ma vie, on t'attend. On est tous excités à te voir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'aime, Lambo. Je t'aime, Lambo. Waouh! Regardez ça, les gars, il y a un sac Lamborghini. Waouh! Quelqu'un qui l'achète. Je pense que même quelqu'un l'a déjà acheté parce que c'est écrit collection privée. Donc là, c'est sûrement à quelqu'un. Putain, mais regardez les X-Outs. Les X-Outs. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. God damn! Imagine avoir ça dans son garage. Bof, moi, une voiture à deux places comme ça ne m'intéresse pas vraiment. À part si j'ai de la thune à dépenser. Mais moi, c'est ça que je veux parce que je pourrais mettre ma MIF dedans. Lambo, tout le monde t'attend là. Toute la MIF t'attend, tout le monde t'attend juste. Bon, moi, j'en ai marre. Quoi? Non. Écoute-moi, les gars. Avantador en train de dire que je l'aime pas et que j'aime juste Eurus. Avantador, c'est pas que je t'aime pas, ok? Je préfère les Eurus au Avantador. Et puis l'Avantador en train de se plaindre, en train de dire que je l'aime pas et tout, mais yo, c'est pas que je te veux pas toi aussi, mais si jamais tu veux venir dans ma vie, viens. Ma porte est grande ouverte, comme tu peux venir si tu veux. Mais moi, je préfère Eurus, ok? Non, calme-toi, ok? Non, calme-toi. Yo, Avantador, calme-toi, ok? Tu pourrais venir si tu veux, ok? Mais moi, je préfère d'abord Eurus. Oui, Eurus, ouais, je t'attends. Ouais, je t'attends. Non, je te trompe pas. Non, je te trompe pas avec le Black Mat. Non, je te trompe pas avec l'autre Eurus. Non. Qui t'a dit ça? Ok, c'est Avantador qui t'a dit que je suis en train de gérer la Black Mat? Non. Regardez ça, bro. Je peux rentrer une seconde? Non. Ça, c'est le garage à Cristiano Ronaldo. Ça là. Ouais, c'est un garage. Même plus. Oh oui, bien sûr. La dernière fois qu'on est venu, on a pu entrer dans une Lamborghini Urus, non? On a demandé au mec et puis il nous a laissé entrer. Mais là, tout de suite, là, j'ai demandé à un mec s'il pouvait nous laisser entrer dans la Lamborghini rouge là, qui roulait pour entrer dans le concessionnaire. Et puis en plus, c'était un blague. Bon, j'ai cru qu'il allait dire, ok, attends mon gars, bon, tu vois, vite fait, je vais demander à mes supérieurs si on peut te laisser rentrer vite fait. Et même pas regarder dans la face, ça fait ça. Direct. Pourquoi tu aides, bro? Comme on le dit en anglais, les gars, it's be your own people. Ça veut dire en français, pas ta race, mais genre, c'est toujours it's be your own people. C'est genre, c'est tes own people. En plus, il est black, bro. Tu vois, comme moi et tout. Et c'est pas une affaire de race, tu vois, mais c'est genre juste. C'est que il allait dire, ok, mon gars, tu vois, attends, je vais te demander vite fait si on peut te laisser entrer. Juste t'asseoir dans la Lambo. Pourquoi? Bon, aimons-nous entre nous. T'as fait le tour, là? Bien. On va continuer encore, bro. Yo, on doit rentrer. On a fait une longue route, bro. Bien sûr, on a fait une heure, bro. What? Ça, il faut qu'on profite là. Même et les gars, abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Merci, c'est quoi merci. Ta chaîne Yagami-du-bas la plante. Et puis, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? De temps en temps, j'essaie de faire des vidéos divertissantes comme sur le foot, des vidéos sur les Lamborghini, des vidéos où est-ce que je parle de sujets quand même de sujets sensibles, mais ça, il y a des alternatives. Vous voyez, les gars, un peu de tout, les gars. Et ça, donc, les gars, allez vous abonner à sa chaîne. 500 abonnés, 600, 1000, comme vous voulez. Juste allez vous abonner à sa chaîne. Allez vous abonner. Si vous vous abonnez à sa chaîne, il va être actif. Tu es actif ou pas? Merci. C'est la force, ça donne de la force. Que tu seras actif au moins sûr. Une vidéo par semaine. Et bien sûr, une vidéo par semaine, c'est déjà beaucoup. Peut-être même deux vidéos par semaine. Fou. Moi, je suis là juste pour les Eurus. Oh non, j'ai pas envie de tromper cette Eurus-là avec elle. Parce que l'Aventador a déjà snitch à cette Eurus-là. Que j'étais avec cette Eurus-là. Et là, maintenant, si je vais avec cette Eurus-là, l'Aventador ici va snitch que j'étais avec cette Eurus-là et cette Eurus-là. Merde, bro. Le petit bail amoureux comme ça. Bon, moi, je suis pas un gars qui trompe, tu vois. Moi, quand j'ai quelqu'un, je reste sur la personne. Donc, moi, je reste sur cette Eurus-là, mais je l'ai elle à côté. Parce que l'autre, elle vient pas dans ma vie. Donc là, mais yo, juste les Eurus, bro. Si vous voyez cette vidéo, n'importe quel Eurus, juste venez dans ma vie. Je vous attends. Donc, les gars, on vient de quitter le concessionnaire de Lamborghini. C'était cool. Ça a été rapide, non? Ouais, très rapide. On a regardé les autos et tout et c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais bien à l'avenir? Mais bien sûr, je dirais une Lamborghini Urus comme toi. Urus? Ouais. T'aimes l'Urus finalement? Bah, je dirais à 50%. 50%? Mais tu préfères l'Aventador ou? Aventador. En plus, derrière aussi, il y a beaucoup de voitures. Ça reste meilleur pour moi, tu vois. Il y a même d'autres Lamborghini là-bas, ouais. Si tu veux, viens zoomer pour eux. Je sais pas si on peut y aller. C'est pour ça on peut y aller. On non. Ça, c'est privé. Mais bon, les gars, donc. Attends. On a appris un autre truc, les gars. Il y a un mec qui a réussi à aller en bas, au sous-sol. Les gars, il y a un sous-sol. Non, il y a comme un stairway, c'était une Bugatti, les gars. Une Bugatti. Il y a une Bugatti ici, mais c'est caché. Genre au sous-sol, dans le sous-sol. On n'a jamais su qu'il y avait un sous-sol ici, sinon on aurait demandé. Mais on a demandé, mais ils ont dit. Elle a dit quoi, la madame?
Elle a dit qu'il n'y en a pas en stock ici. Ah, mais tu n'as pas demandé si on peut descendre? J'ai demandé, madame, est-ce que je pourrais prendre des vidéos avec la Bugatti. Elle m'a dit, malheureusement, on n'a pas en stock ici. Ouais, elle ne doit pas le dire. Elle n'a pas le dire, tu vois. Elle n'a pas le droit, sûrement, de le dire. Exactement pas. Elle n'a pas le droit. Ouais, sinon, on serait allé en bas, les gars. Il y a des Bugatti ici. Bro. What the fuck? Donc, les gars, voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous. Allez voir la chaîne de Yagami La Plante. Et puis, peace pour nos vidéos, les gars.